change d'ambiance. Je suis un petit peu en retard. Voilà. Ça grimpait. Mais le principe, c'est que logiquement, je vais arriver à un beau point de vue pour faire mes photos de ce soir. La lumière du soleil va donner quelque chose de très intéressant dans le ciel. Je me presse un petit peu. Voilà, on est retour dans l'action du photographe. Hop. Et là, on va voir ce que ça donne. Et voilà le paysage qui s'offre à moi. Mais en fait, mon sujet, c'est pas ça. C'est ce qu'il y a de ce côté-là. Et voilà, on est de retour sur les châteaux cathares, le château de Montségur. Et grosso modo, je suis un petit peu frustré parce que la grosse difficulté de ce château, c'est la proximité qu'il a avec moi. Donc là, c'est le point le plus éloigné que j'ai pu trouver en faisant un repérage précédemment. Et je dois dire que je m'aventure sur des prises de vue où j'ai vraiment... j'aurais tendance à dire elle est 30% de chance de réussir. Donc j'espère que la lumière va donner quelque chose. J'ai un gros doute déjà. J'ai déjà fait des photos précédemment en étant en fait sur tout simplement la colline qui est de l'autre côté. Enfin colline, le début de petite montagne qui est de l'autre côté. Voilà, j'étais monté dans les prés et ce qui m'a permis d'avoir un bel angle, pas mal de recul et d'isoler tout ce roc avec le château dans le ciel et de faire quelques clichés que je pense au moment où je vous parle me paraissent bien intéressants. Je vous montre le résultat des prises de vue d'hier qu'il y a là-bas. Et comme ça, en attendant, bah moi je me prépare pour faire les prises de vue de cet angle-là. Et je croise les doigts pour que cette nouvelle aventure puisse aboutir quand même à un contenu photo digne de ce nom. Voilà, donc bienvenue dans ce nouveau vlog et bienvenue dans cette nouvelle aventure. C'est qu'au moment où je vous parle, j'ai réalisé que tout simplement, j'avais oublié, complètement oublié, ma lampe frontale pour pouvoir redescendre en toute sécurité. Donc ça va être la blague du soir. Je vais redescendre tout simplement avec la lumière du téléphone portable, mais vu que le terrain est bien accidenté, autant dire que ça va pas forcément être une partie de plaisir. Je suis au grand angle, je suis au 10 mm, parce que je savais d'entrée de jeu que j'allais être très proche de mon sujet. L'idée, c'est de faire des pauses de 4 secondes. Et d'aboutir à quelque chose. Voilà, quelque chose de sympa. On va voir si les contrastes sont de mon côté. Ne pas oublier, comme d'habitude, d'attacher son appareil photo sur ce type de technique. Voilà, et j'espère vraiment que tous ces efforts vont pas être réduits à néant. Alors pour l'instant, je suis à une seconde de pause. C'est encore un petit peu court. Au final, la luminosité, elle est encore trop présente. Ouais, une seconde de pause, ça me permet vraiment pas d'avoir un mouvement cohérent avec ce que je recherche. Donc je suis à f22 ISO 50, ce qui veut dire que vraiment j'ai fermé. Le fait est, c'est que là j'ai pas mon adaptateur pour mettre un filtre ND sur cet objectif là. Donc je suis réduit à attendre le fait que la lumière baisse. Ce qui va me laisser grosso modo une marge de manœuvre très restreinte en termes de prise de vue. Vraiment je vais devoir, on va dire, faire avec un court laps de temps où la luminosité sera bonne par rapport à mon temps d'exposition, ce qui veut dire que je ne vais pas faire beaucoup de clichés. Si j'arrive à en faire une trentaine, ça sera déjà bien, et surtout s'ils sont exploitables au final. Alors ce qui peut être super intéressant, c'est tous ces rochers là qui font une espèce de bande qui mène jusqu'au château, parce que ça peut me permettre d'avoir une ligne directrice. Alors même si là je pars de ligne directrice en sachant que dans le principe de la photo abstraite, elle va peut-être être complètement atténuée, voire disparaître, mais ça n'empêche que déjà, ça va permettre d'avoir des blocs de contraste qui vont peut-être amener des formes et des couleurs super intéressantes. Donc je dirais que c'est bien. Il faut juste que je fasse attention, parce que je serais tenté à me décaler un petit peu à gauche pour avoir plus, encore plus ce principe de bande, voilà, qui fait une petite arc de cercle. Mais là, ça ne va pas être possible. C'est particulier. Là, je dois dire, c'est particulier.
parce que je pense que c'est trop lumineux, ce qui fait qu'en fait, immédiatement, quand je prends des photos, on a les blocs rochers qui blanchissent, qui presque crament la photo. Donc ça me donne des formes qui sont trop violentes, à mon sens. C'est particulier. Si j'arrive à avoir 10 minutes, ça serait top. 10 minutes de bonne exposition où tout va devenir à peu près uniforme, ça serait vraiment top. Parce que ça va me permettre de jouer avec mes mouvements, mais parce que là j'ai un gros doute. Oula, avec les nuages, ça me donnait des grosses traînées blanches. Ah, c'est pas mal. Je vais fixer sur les nuages. Hop. Et ben voilà, je vais réussir à le placer dans les nuages. C'est ce que j'essaye de faire à chaque fois, en fait, je m'en rends compte. Inconsciemment je le faisais, maintenant c'est conscient, je suis en train vraiment de mettre les choses en place. C'est vraiment une question de pratique, c'est comme tout, on apprend la photo, on développe son caractère photographique, puis ensuite on découvre de nouvelles techniques, de nouvelles approches, de nouveaux rendus, et on s'essaye. Bon, généralement au premier coup c'est pas forcément une réussite, mais au fur et à mesure il y a des choses qui se révèlent, qui se mettent en place. Et j'aurais tendance à dire, quand on s'acharne un petit peu, et ben on voit déjà la progression s'effectuer. Voilà, donc ça c'est plutôt cool, parce que ça rassure, ça veut dire que tous les efforts qu'on peut faire portent leurs fruits. Je regarde un petit peu autour de moi la gamme colorimétrique. Là-bas on a un bleu un petit peu violet. Je m'interroge sur le fait de prendre la photo là, et ensuite de finir sur l'arrière-plan, pour voir ce que ça pourrait donner, est-ce que ça me ramènerait quelques couleurs, on va dire, dans la photo. Hop. Faut que je continue à bouger par contre. Ah, c'est pas mal ça. Je bouge mon appareil comme si en fait j'étais avec une brosse chargée de peinture et que je l'étalais tout simplement sur mon capteur, en tout cas sur ma photo. Ah, ça devient très très intéressant. Voilà, on commence à avoir une luminosité suffisamment basse pour que mon temps d'exposition ne soit plus cramé et qu'on commence vraiment à avoir des dégradés de nuances assez riches. Et ça porte un petit peu ses fruits. Et ce qui est assez marrant, c'est qu'on a l'arbre ici qui amène, on va dire, une touche incongrue. Je pourrais très bien l'effacer en post-production, je ne sais pas si je vais le faire ou pas. Ou alors je pourrais la laisser parce que ça donne quelque chose de très reconnaissable qui va dire « Ah mais en fait on est peut-être dans une brume parce que ça me parle, ça c'est réel, donc c'est pas que des taches de couleur. » Donc je vais peut-être presque même encore plus l'intégrer dans ma photo. Je vais vous redéplacer parce que j'aimerais vraiment finaliser ma photo sur le violet qu'il y a juste derrière là, qui est très 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 joli. Et voir un petit peu ce que ça donne, ça me permet vraiment d'avoir quelque chose d'un petit peu plus riche. Hop. Si j'arrive à faire en sorte que ça ne crame pas au centre, eh bien j'aurais vraiment gagné cette photo et je pense que j'aurai la photo de la soirée. Comme quoi je partais pas gagnant, faut être honnête, j'étais monté en me disant ouais le soleil va être de l'autre côté, mais alors on quoi qu'est-ce. Et en fait ce qui est intéressant c'est le contraste que ça génère, puisqu'en fait en premier plan j'ai tous les rochers qui restent, c'est assez surprenant mais assez lumineux je dirais, et on a l'arrière-plan qui est encore très 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 lumineux en fait par rapport au soleil qui est pas tout à fait couché, puisqu'on est logiquement dans la golden hour, on n'est pas encore dans l'heure bleue, donc en fait j'ai beaucoup plus de temps de manœuvre. Voilà, j'ai encore fait 2-3 clichés je pense intéressants. Si j'arrive, voilà, je peux me permettre de parler et de perdre un petit peu de temps, mais si j'arrive à faire en sorte d'arriver à avoir la bonne nuance au fond pour éviter que ça crame et à avoir le même mouvement que j'ai pu faire tout à l'heure, là sincèrement j'aurais abouti mon cliché presque en une seule photo. Voilà, pas de superposition, pas de montage, pas de bidouillage, vraiment une prise de vue, une photo. Et je dois dire que si j'arrive à terme à maîtriser les choses pour arriver à à cette réalisation d'image en un seul clic, je dirais, et ben alors là je dois dire que je serais content, j'aurais bien évolué. C'est du fantasme, c'est du gros fantasme. Bon, allez. Hop. Thank you.
N'hésitez pas à me laisser des commentaires et vos questions un petit peu plus bas, je me ferai un plaisir d'y répondre. Petit pouce, abonnement, la totale, le clic sur la cloche. Et puis d'ici mon prochain vlog, et je vous souhaite de vivre de très grands moments, de très bons moments et de faire de très belles photos. Allez, à très bientôt. Bye bye.